Frère Guy, je te pose la deuxième question. Est-ce que tu sais, la sœur Belinda, est-ce que tu sais, tel que tu l'épouses pour une seule fois dans toute ta vie? Oui. Oui, tu le sais, oui. J'ai invité sœur Belinda Dondo. La sœur Belinda Dondo. Sœur Belinda. Belinda. Je reprends la même question. La deuxième question, c'est que vous, savez-vous, sœur Belinda, que le mari que vous nous présentez aujourd'hui, c'est lui que vous prenez, vous acceptez en mariage aujourd'hui, c'est l'homme de toute ta vie jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Savez-vous qu'il n'y aura jamais de divorce aussi longtemps que vous êtes lié sur la terre? Je vous écoute. Oui. Mardi vérité, chaque mardi vérité, tu le dis bien, mardi vérité, et qu'on va nous connaître à 19h, je vais quitter Nayo, autant la émission, oh, yakitoko, chaque mardi. Mardi vérité, ils allaient une mission moko et collègues à Madame VMTV. Et on a ma cambo qui toque même là il moko on a la libre mission en avant et les keringaï. Et les keringaï donc. La mariée. Si vous pouvez faire votre entrée maintenant. Les chantres. La mariée, elle est prête. Na ko na ko metukisa te na ko ma ya Yesu asikola ngana makila ya kelo alatisa ngai elamba ya kembo apesanga kombo ya mwana mokonzi na ko na ko na ko ma ya ye bona libela na ko na ko metukisa te na za ya Yesu. Beta milolo, 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 milolo. Nako, nako, nako lelate, nako maya zambe. Nako, nako, mitungisate, nako maya Yesu. Asikola, ngana makila ya kalo, alatisa. Ngaiye lamba ya kembo, apesanga. Kombo ya mwana mokosi, nako, nako, nako maya ye. Mona libela, nako nako mitungisate, naza ya Yesu. Na mitiki mopepe na yo etinikanga. Na mitiki mopepe na yo etinikanga. Na mitiki mopepe na yo etinikanga. Maboko na yo, na makongo na nga etinikanga. Maboko na yo, na makongo na nga etinikanga. Yambala moyo, yesa elamba ya Na kona 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 kona
S'il vous plaît, si nous pouvons reprendre nos places, nous voulons encore élever le nom de Jésus-Christ. Nous voulons adorer le Dieu véritable. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie de notre frère Guy et de la sœur Belinda. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour une minute pour dire seulement merci Seigneur? Parce que nous avons vu l'accomplissement de ta parole dans la vie de nos bien-aimés. Nous voulons adorer Jésus. Alléluia, Hosanna. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Kumama e kolo Yesu e kumama. Kumama e mwana na Nzambe. Mama, mama,
Père éternel, au nom de Jésus, nous te bénissons. Aux Anzambe Malamu, tu es le merveilleux Dieu. Tout moment, on a beaucoup nous abandonnons ce moment entre tes mains. Tout moment, papa, tu es comme un moment où nous voulons écouter ta parole. Parce que ces jours, na calendrier saint, dans ton calendrier saint, tu savais qu'on allait que ton esprit saint règne au milieu de nous. Au nom de Jésus Christ. Amen. Tu recouvres dans ma pambola vino. Tu fonges les Bibles en abysso. Nous ouvrons nos Bibles. Bible zolo ban abysso na livre ya. Dans le livre 1 Corinthiens chapitre 7. Tous autant à verset 3 na verset 4. Nous lisons le verset 3 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3 na verset 4. La Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Nalingaki na partagé. Je voulais partager en quelques phrases pour bénir frère Guy Kingambo, frère Guy Kingambo, na sœur Belinda Dondo et frère et sœur Belinda Dondo. Bible Zolobanabiso. La Bible nous dit awa maloba na nzambe zo l'exception relation ya binomi balé vos relations ya mwasi na mobali de la femme et de l'homme. Awa Bible Zoloba. Ici la Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Wa sasa na kibokonzité car na nzoto na ye. Ni l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. Donc le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Ah, Zolobe la relation va marier. Si on parle d'une relation de mariage. Parce que au commencement Bible Zoloba. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dans la version Mousseba Lobi, les deux deviendront un seul corps. Donc puisque ce sont deux corps qui s'unissent, qui s'attachent. Et maintenant ici, la Bible nous montre comment les deux corps peuvent avoir une bonne relation. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la femme peut dire que le corps m'appartient ou l'homme peut dire que le corps, son corps lui appartient. Frère Guy, sœur Belinda, Bible Zoloba, la Bible dit que nous devons bénir un mariage, mais dans les seigneurs. C'est ce que la Bible dit, que le mariage soit dans les seigneurs. Ça, la Bible dit que les mariés soient dans les seigneurs. Je voulais vous dire. Ndenge Bible Zoloba au commencement. C'est-à-dire que l'homme s'est attaché à sa femme. Et ils sont devenus une seule chair. Ndenge Bozobalana. C'est une seule fois. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour reprendre encore notre vie ailleurs. Donc quand vous vous présentez devant Dieu, soyez conséquent que Ndenge Toye Liboso na yon kolo. Il faut savoir que tel que vous êtes venu devant Dieu, pour te s'unir devant yo, nous sommes venus s'unir devant pour toi, une seule fois pour dans la vie et la relation à binomi balé, dans votre relation à vous deux, il y a la première des choses que vous devez faire, c'est-à-dire que vous pouvez sa priorité et pas en zame. Vous donnez votre priorité à Dieu. Dieu doit être le maître de votre mariage. Au moment où vous allez vous marier, tant vous en ndaku na bino, lorsque vous serez chez vous, nakati ndaku na bino, dans votre et lorsque vous serez au sala, privilégier d'abord Dieu. Tous à naba famille. Nous avons des familles. Tout le monde dans notre famille va sembler raté. Pas tout le monde qui prie dans nos familles. Donc il faut qu'on ait la relation. Il faut que y a malam ou naba ou va sembler la raté, naba ou va sembler raté. Toutefois, naba relation à Bissau. Toutefois dans nos relations.
To privilégier Nzambe liboso. Privilégie d'abord Dieu. C'est pourquoi vous êtes là. Pour ça, vous, allez vous êtes là pour qu'on vous bénisse. Vous allez pour glorifier non un homme. Non une famille. Mais pour glorifier Dieu. Parce que si vous êtes allé dans la famille, ainsi de suite dans l'État, c'est Dieu qui doit bénir. C'est ce qui est important. Alors, dans un texte, le vent peut arriver. L'ennemi peut s'élever. Et dans plusieurs cas, l'ennemi s'élèvera toujours. Mais lorsque deux sont unis en Christ, ils sont plus deux. Donc vous êtes plus fort que Bato Baza, 1 plus 1 égale à 2. Vous êtes 1 plus 1 égale à 1. Vous êtes 1. Dans la Bible, il dit 2 chasseront 10 000. Et quand les gens se marient dans la volonté du Seigneur, Dieu est avec eux. C'est pourquoi vous voyez Bible Zoloba, Nakatia Libala, il dit allez, multipliez, soyez féconds. Pourquoi? Parce que quand vous vous mariez et vous mettez Dieu en avant, Dieu vient agir conformément à ma promesse. Il y a des promesses au Bapessa. Ba marié, net bino. Ndenge bozale, lo vous avez des promesses, bozokota na ba promesse ya Nzambe. Seulement respectez votre lit conjugal. Selon ce que la Bible dit, que le lit conjugal soit épargné de toute souillure. Respectez le lit conjugal et vous devez savoir que le mariage, ce n'est pas par rapport à une beauté ou ce n'est pas par rapport à l'argent, mais le mariage c'est une grâce, c'est un don que Dieu donne à ses enfants. Donc vous pouvez permettre na mobali, na mwasi, que personne ne s'enorgueillisse. Pour mutumora loba que ceux qui ngana bala kiyote ou ceux qui ngabwe. Non, le mariage c'est un don. Dieu a fait ses dons à ses enfants. Et c'est pourquoi vous, vous êtes là. Ne vous faites pas du mal. Bible le bien abisso. Nani kati nabisso. Qui d'entre nous akokomi na yemoko. Alors, la Bible dit, dans le deuxième plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce que moni moi si na yo frère Guy, sache que c'est ta moitié, c'est toi-même. Et sœur Belinda, c'est ta moitié. Respectez-vous dans votre langage. Que chacun se mette à sa place. Que dit la parole? Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Ça, c'est le commandement du mariage. Donc, si le mari aime et la femme est soumise, ce mariage a un fondement de Christ. Donc, il y a un retour tout à l'heure. L'olendo ezate. Pas d'orgueil. Que ça, la kamakamuna place oyo, muninga musalinga salate. Pas des choses à la place de l'autre. Le mari doit être responsable de sa maison. Ndengozobala bwe frère Guy. Marie, frère Guy. Guy Kingambo. Guy Kingambo. Ndengozobala bwe. Dès que tu te maries là. Il faut tirer la mutuna yo que. Faut mettre dans ta tête que. Aux yeux responsabilité à relier sa bâtre. Tu as la responsabilité maintenant de nourrir les autres. Ta femme. Moi si na yo. Tes enfants. Bana nabino. C'est toi qui dois le faire. Yo ndem to rosala yango. C'est ce que la Bible dit. Yango na Bible elobi. La Bible dit que toi, tu travailleras pour nourrir ta femme et tes enfants. Et la femme, sœur Belinda, la Bible dit, soumets-toi. Quitta. Voilà. Respecte ton mari. Parce que la Bible dit, la beauté est vaine. Kitoko est pamba. Et tant que vous respectez mon bali nayo, tu respectes ton mari, tu entres dans la loi de Dieu. Et le mari, quand tu aimes ta femme, tu entres aussi dans la loi de Dieu.
Ce qui moko sala muninga mabe. Si y en a un qui fait du mal à l'autre. C'est Dieu qui est témoin. Zambene tazo. Ce n'est pas nous les autres. Parce que makambo ezana ndako na bino. Ce qui se trouve dans votre maison. Ka bino mo boye. C'est vous-même qui connaissez. Biso tokoya to uti libanda. Nous on peut venir, nous venons de l'extérieur. Atomoni mo sa zana raison. Atomoni mo bala zana raison. Mais le juste juge c'est Dieu. C'est pourquoi pour muta kwe na tribunal nzambe te. Quelqu'un ne tombe pas le tribunal. Il faut à respecter. Il faut qu'il respecte. O yo nzamba zolo banaye. Lui répondre de faire. Frère Guy dans le Biboué, sœur Belinda dans le Biboué, je récapitule ce que je viens de dire. Vous êtes devenu une seule chair. Donc, oubliez le divorce. Si les gens vous trompent, que quand ça ne marche pas, on peut divorcer, il faut leur dire que ça, c'est la loi du monde et c'est la loi satanique. On se marie une seule fois dans la vie. Deuxièmement, que votre lit conjugal soit propre, pur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'adultère. Voilà, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Donc, Nzambe ndenge busangani boye. Tel que vous êtes unis. Busangani pour la pureté. Vous êtes unis pour la pureté. Donc, mbeto na bino, lit conjugal, faites à la propre. Doit être propre. Frère Guy, c'est la dernière des choses que tu peux faire. La seule femme que toi tu as vue, c'est Belinda. Et sœur Belinda, le seul homme que tu as vu, c'est Ali, frère Guy. Ne pensez en aucun cas à divorcer. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a appelé. Il vous a appelé à être unis jusqu'à son avènement. Voilà. La troisième des choses, vous allez na obalobi. L'unité. Ayez en vous l'unité. Voilà. Donc, ma kamunabino, yandaku, tous ceux qui sont et tes camarades bandate, pas si vous n'arrivez pas à gérer un problème, nabino, de gérer vos problèmes. Prenez la Bible. Je crois qu'on va vous donner la Bible. Je crois que donc, autant à la Bible. Faut lire la Bible. Ne prenez pas le temps souvent quand il y a un problème. Mais vous êtes déjà majeur. Ce que vous avez dit, vous n'êtes plus des enfants. Pour moi, je n'ai pas de un enfant ne se marie pas. Ce que vous avez dit, lorsque quelqu'un se marie, il devient adulte. Donc prenez la parole. Lisez. Et puis, pour savoir comment prier. Frère Guy, la kisa moi sinayo, nzela nzambe. La voix de Dieu. Sœur Belinda, la kisa moi bano nzela nzambe. Binomi balé, boye bandenga koluka nzambe. Savoir comment chercher Dieu. Le lobo bala na awa. Vous vous mariez ici. Mais ezala teka bino mutu bobala ni dans le Seigneur. Après, beaucoup m'en sous un pas dedans, un pas dehors, ezama la mouté. Donc, mettez Dieu de l'avant. L'unité compte. Dans le Seigneur. Si vous êtes unité, le diable va vous diviser en pensée. Tout le monde a vu que vous avez un mot, mais dans ma pensée, vous êtes déjà divisé. C'est parce que nous avons l'ingité que vous avez un intérêt personnel. Il y a un intérêt personnel. Ce n'est pas pour des intérêts personnels. Tu viens au mariage en tant que femme, en tant qu'homme. La première des choses, ce qu'il faut privilégier, premièrement, c'est d'abord avant tout, c'est ta propre maison. Je crois que Bozo Okanga bien. Donc, dès que vous Balana, te ponga na zo Balana, na baliyo mais, na zana engagement na famille nanga, na baliyo mais, te. Non. Ceux qui vous balani déjà, lorsque vous êtes marié, vous allez la capacité, vous allez la balobi, ils devenons une seule chair. Même bambongo na binomi bali. Bambongo fukuzala na na caisse commune. Une caisse commune. Moi ça ebi que tozana autant. Au bali pa ebi que tozana autant. Donc vous devez gérer mbongo. O ya yebi ko gérer. C'est lui qui sait gérer. Souvent Bible zo lo balani ce que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Mais où est-ce qu'il faut gérer? Parce qu'il y a certaines femmes aussi qui ne savent pas gérer l'argent. Pas sûr, mais qu'il faut gérer. Mais Moutoua est bien géré. La personne qui sait gérer, a géré en haut, na, à l'éclaircissement de l'autre. Les balles, elles allaient dans la caisse noire, s'il vous plaît. Ok, mon bali, elles allaient dans le bon moment.
moi ça y est barré pas ça la macam naie à part ça c'est pas le mariage vous n'êtes pas unis ou la femme asana macam moga salaka mobile à éviter ça ce n'est pas le mariage on est commis servitude tu le fais pour qui t'as là n'engue vos aboyés vous êtes là vous salut famille vos obotabana c'est ça votre nom n'engue zokende bano boboti c'est votre image et bangonde fuboyé bakuti que la bango héritage vos enfants n'hériteront pas chez d'autres personnes. Bako hériter au tata na maman na bango tiké libango. Donc c'est ce que vous devez savoir, la caisse commune, le bien commun. On se marie pas dans le Seigneur avec les biens séparés. Non. Voilà. Donc je veux m'arrêter ici pour dire une dernière parole au reste, frère Guy, aime ta femme. Et sœur Belinda, soumets-toi. Parce que, il y a un mariage. Ce qui fait que le mariage avance. L'amour, la Bible dit l'amour supporte tout. Tu n'as pas épousé une femme parfaite. Donc aussi longtemps que tu n'as pas épousé une femme parfaite, c'est un don que Dieu te donne. C'est pela na likabo nzamba pesio. Linga yango. Kandenge zawana. Au fur et à mesure que tu le linga yango, refaçonner yango na ndenge bolingo nezo kende. Voilà, ne compare pas ta femme aux autres. Oh moni moi si à telle. Non, on n'a pas besoin de comparer. Yazaye. Oh anazaye. Donc ya yo ya ngoyo. Oh yo faut yo changer moi si à camaraderie. Oh yo changer à moi si yo bali. Donc aime ta femme de tout ton cœur. Lingaye. Et sœur Belinda, il faut apprendre à respecter ton mari. Le langage de la femme. La femme parle toujours d'un langage de douceur. L'homme est le chef, selon la parole de Dieu. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc on ne peut pas dire que la femme est égale à l'homme. La Bible n'a pas dit ça. Premièrement, Dieu a créé l'homme. Et deuxièmement, la femme. Donc c'est l'homme qui a été premièrement créé. Donc on a respect la parole de Dieu. La Bible dit Sarah appelait Abraham Seigneur parce que le mari est le chef. Voilà, le mari est le chef. Et la femme est l'aide du mari. Donc, mais nous respectons la parole. J'invite le frère Kikingam à venir se présenter ici devant l'assemblée de Dieu. Frère Guy, vous pouvez saisir le micro. Frère Guy Kingambo. Devant Dieu, na miso ya Nzambe pe ya bato. T'as la peuple bango yo bato yo bengisi. Pona libala na yo. Pour ton mariage. Donc na lingio t'as la bango yo na zo tuno mutuna. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Frère Guy, moi soy yo bala. La femme que tu épouses. Oyo meme libiso a na lingomba. Dans l'église. Na miso na famille. Devant la famille. Kombo na ye Belinda. Dondo. Mukwama. Alors, Belinda Oyozobala, frère Guy. Na évite ce qui va forcer au Belinda. Je ne sais pas si on t'a forcé d'épouser. Toutes tes circonstances. C'est une circonstance. Ou Belinda Oyozobala. Belinda que tu épouses. Aza Oyo mutema na yo et se peliobala. Ton cœur s'est réjoui d'épouser. Et que au tout ninza menza malobi oui. Ça c'est ton aide, c'est ta moitié. Ya ona lingi na yeba. C'est pour cela que je vais savoir. Nani a forcé yo. Qui t'a forcé? Ou bien c'est outil na mutema na yo moko. Selon la volonté de Dieu. Personne ne m'a forcé. Cela vient de mon cœur. Frère Guy, je vais poser une deuxième question. Est-ce que tu sais, tel que tu l'épouses, pour une seule fois, dans toute ta vie, oui. Vous voyez bien, oui. Tu le sais, oui. Nous avons invité Sœur Belinda Dondo. La Sœur Belinda Dondo. Sœur Belinda Yaka Liboso. Sœur Belinda, viens ici devant. Sœur Belinda. Deko Belinda.
Sœur Belinda, Beko Belinda, Mobali Memeli Biso, le mari que tu nous as amené, O Libo Témoni, que la famille a vu, O Batunio Sobamoni, tout le monde a vu, Komona Egi, son nom est Guy, Guy Kingambo, Guy Kingambo, Pana Mobali Memeli Biso, l'homme que tu nous as amené, Pas forcé, est-ce qu'on t'a forcé, Zalaki Ndenge Baba, Liba la commission, avait dit comme on dit d'habitude, c'est une ou bien, Eza Likambo, tu n'as mon thème, cela provient ou bien, Kokolaza camarade, Andekonabino, comme il y a grand frère, ou bien papa Nabino Lingaraemingi, ou ton papa l'aime, Yango, vous avez obligé, on dit maillé, ou bien, Ezo, t'as la carte, y'a mon thème, Sœur Belinda, Tombola Mungongo, Toyoka, bien, bien, mon amour, ça vient de mon cœur, ça vient de ton cœur. Ok. L'assemblée, je pense que vous avez entendu. Sœur Belinda, Belinda, je reprends la même question. La deuxième question, c'est que vous savez-vous, Sœur Belinda, que le mari que vous nous présentez aujourd'hui, c'est lui que vous prenez, vous acceptez en mariage aujourd'hui, c'est l'homme de toute ta vie jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne. Savez-vous qu'il n'y aura jamais de divorce aussi longtemps que vous êtes liés sur la terre? Je vous écoute. Oui. Ok. Bon. Je vais bénir. Je me prépare. Les parents de la femme, ils ont pris la dot. Bazouaki. Tes parents sont là? Venez, passez mon micro. Passez mon micro, va témoigner que Bazoki Mbonga Libala. Vous avez témoigné que vous avez reçu la dot. Papa, full ensemble Bazoka yo. L'ensemble. Ceux qui Bazoki Mbonga Libala, ceux qui ont été calés, l'oba va foutre la siko. Ceux qui ont été zatés, Bazoki Nyonso yo moko l'oba. C'est à vous de le dire. Tozwa ki nyo sopenda papa asala ki lokwa mobali ndenga sala. Il a fait quelques temps fait. Ah. Ozwa ki nyo so? Ozwa ki nyo so papa. OK. OK. Nzambe apambola bino. Quel éternel. Siko et comme il y a biso ceux qui toko ko pambola. Maintenant, ça revient à nous de pouvoir venir. OK. Pesa. Fregi. Deko ki. Ça va? Ça va, papa. Vous allez, c'est moi. Ça va, Belinda? De quoi, Belinda, bon. Ça va. T'allais bien, t'allais. Regarde bien ta femme. Aux âmes, comme moi, je tu as des choses à lui dire? Oui. Voilà. La lingaro pour aux âmes, comme moi. Je t'aime parce que tu as toujours des choses à dire. Frère Guy, de quoi, Guy? Qui est bien, non, ma.